Hey les potos, ici Rating Warrior, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de notre let's play sur Assassin's Creed Odyssey. Et les amis, je n'ai pas fait de mission en plus, voilà, comme je dis, j'ai fait les quêtes secondaires. Mais sinon la mission, c'est toujours celle avec Stentor pour la bataille de conquête où on s'était laissé. Alors en attendant justement cette mission, je suis passé niveau 11 parce que quand même les batailles de conquête, il y a quand même énormément de gens et je voulais pas crever comme une merde. Du coup je suis passé niveau 11, il y a à peine 2 secondes là. Comme vous pouvez voir, elle a quand même bien changé Cassandra. Hein. Du coup j'ai cette tenue là qui est vraiment, je trouve qu'elle est super cette tenue. Avec il rajoute les comment, je sais pas comment vraiment on peut appeler ça, des tatouages, tout comme ça. Ouais. Ensuite notre premier armure légendaire les amis, enfin bout d'armure légendaire, voilà. J'ai même eu un trophée pour ça. Et du coup aujourd'hui je vais me battre à la lance. Mais après si je vois que c'est trop compliqué, je pense que je vais reprendre l'épée. Mais j'ai pris celle-là parce que c'est l'arme que... Voilà, c'est une arme épique déjà. Et surtout c'est celle qui fait le plus de dégâts entre toutes les armes que j'ai. Ensuite l'arc aussi. J'ai remplacé notre arc bleu par celle-là de niveau 10. Et puis c'est tout. Hein. Après bien sûr j'ai bien évidemment changé quelques trucs. Ah, j'ai aussi démonté quelques... Comment dire ça, quelques morceaux d'armure hein, pour obtenir plus de loot parce que j'avais le bois, j'en avais 7 de bois et là je suis passé à 200 sifs. Du coup j'ai fait énormément de quêtes secondaires, regardez, je vous montre, je suis même allé là-bas, voilà, petite visite, je devais tuer quelqu'un, enfin c'était écrit sur la mission niveau 7 mais quand je suis arrivé là-bas le mec il était niveau 14, du coup j'ai direct fait 2 bitours. Et donc sans plus attendre les amis, on se retrouve avec Stentor pour la bataille de conquête. Et hop, on va aller voir Stentor. Are you ready to crush the Athenians? Yes, come out of retreat. I'm ready for war. Yes, enfin. Allez, c'est parti, on va buter les Athéniens là. Hey, viens là, bande de salope. Et hop, prends-toi ça, mec. Oh, ok, ah, on doit aller, on dirait qu'on doit aller taper ce mec. Ouais, c'est parti, hein. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui que je veux taper. Ah, c'est lui. C'est parti, allez, hop, prends-toi ça, mec. Oh, tu veux quoi, toi? Oh, mais arrêtez, calmez-vous là, oh, oh. Ils sont chiants. Prends-toi ça, mec. Allez, hop. Allez, hop. Vas-y, mais putain, ils sont chiants avec leur arc de merde là. Oh, tiens, prends-toi ça. Mais son bouclier était bizarre lui. Tenez bizarre son bouclier. Ah, c'est bon. Il sait enfin comment tenir son bouclier. Allez, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres mecs comme celui qu'on vient de tuer là. Non. Toi, tu peux quoi, toi? Vas-y, dégage. Attendez, je vais aller voir. Non, on va arrêter de cibler les gens. Ah, voilà, là-bas. Allez, c'est parti, on va aller le voir. Viens par ici, Athénien. Oh, salope. Attends, hop, je te prends ton bouclier, toi. Allez. Ils sont chiants les autres à côté. J'essaie de buter les plus gros. Mais il va où? Il cherche à s'enfuir en plus. Non mais toi tu veux quoi toi en fait? Oh, fais pas chier. Non mais c'est pas celui-là que je voulais. Oh. Donne-moi ça. Boum. Allez. Oh, cette danse elle est bien. Je suis pas habitué à me battre à la lance, mais sinon elle est super. Le voilà.
Alors, toi, prends-toi ça. Oh, vas-y, on les massacre, les Athéniens, là. Oh là là. C'est trop. Hop, prends-toi ça. Allez, hop. Ils sont en train de désinguer, là. Ok, il y a encore un capitaine à tuer. Oh, oh. Boum. Allez, viens là, toi. Oh, 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 ils veulent quoi, les... Mais putain, les Spartes. Les Spartiates, là. J'arrête pas de dire les Spartes. Pourtant, c'est les Spartiates, mais non, j'arrête pas de dire les Spartes. Oh, tu veux quoi, toi? Allez, vas-y. Oh non, il reste encore un petit coup de vie. Oh là là. Tiens. Allez, hop. T'es mort, mec. Il est où? Ah, il cherche sa couverture. Non, mais... Arrêtez de me faire chier, vous. Oh, oh. Allez, là. Allez, c'est parti. Allez, prends-toi ça, mec. Non, c'est pas... Je veux pas viser. Oh là là. Ils mettent toujours ce mauvais mec, là. Mais putain, arrêtez de courir, les mecs. Hop, j'ai tué. Oh, mais j'ai même pas remarqué. Pour le coup, j'ai même pas remarqué que j'ai tué. Allez. Oh, on a gagné. Oh, vas-y, on a gagné, les gens. Ouf. Oh, mais ça va, on les a bien défoncés. Je pense que j'ai bien fait de passer niveau 11, parce que sinon, peut-être que j'aurais pas aussi été aussi fort, quoi. Allez, continuez. The wolf requests the presence of the mercenary. We shall be up to him in a moment. With respect, he wishes to see the mercenary alone. What? I said the commander I wishes... I heard what you said. I just don't understand why. Those were his orders, sir. Very well. It appears I have other matters to attend to. Hop, oh, on a une nouvelle botte. On va la mettre tout de suite. Hop. Alors, c'est du épique, ouais. Normalement, c'est bon. Allez, hop. Eh, mais Stortor, il a l'air jaloux. Regardez-moi ce petit rageux, là. Allez, hop, on va enfin voir le loup de Sparte, les amis. Allez, hop, on va aller le voir. Bon, je me demande bien qu'est-ce qu'il peut nous dire. S'il va remarquer qu'on est sa fille ou... Ouais, j'étais en train de me poser la même question. Allez, c'est parti les amis. Allons voir le loup de Sparte. So you are the champion who won us today. Tell me your name, hero, so that I may greet you as a true warrior. Here, pater. It's been a long time. Impossible. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to I my did death. What was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You were my father. You were supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my brother because you wouldn't. The Oracle decreed that Alexios had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty anymore. Enough! I can't change the past. I will live and die a Spartan. There's a large reward for the mercenary that can collect the wolf's head. Is that why you're here? You've avoided the past long enough. Now you will answer to me! Though you deserve death, there is no honor in vengeance. You must face the ghosts of your past, Pater. And that is a fate worse than death.
I have failed in my duty. I failed to protect you. To protect both of you. I loved you and your brother as if you were truly my own. But you were never mine. What do you mean? That is a question you should ask your mother. Wait. Find your mother. Find her? Whatever Maine is, she knows far more than I do. Where will you go? To find my honor. Beware the snakes in the grass, Cassandra. I need to get out of here. I should head back to Varnavas. Wow, 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 les amis. Eh ben... Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, là, maintenant, on doit retrouver notre mère. Bon, je l'ai pas dit, ouais, c'est quand même notre père, voilà. Faut, on va pas le buter comme ça, quand même. Même s'il nous a balancé d'une falaise comme un gros sauvage. Non, nous, on est sympa. Oh là là, je jure, maintenant, on doit aller retrouver notre mère. Bon, bah, c'est parti, hein, les amis. Alors là, on doit aller où? On doit aller voir Barnabas, je pense. Ouais. Bon, bah, les amis, on se retrouve tout de suite là-bas. Allez, c'est parti. Allez, Barnabas. On se casse d'ici, voilà. Vraiment, là, j'ai envie juste de me barrer. So, did you kill your father? Step-father. I suppose the gods won't judge you too harshly for a step-patricide. Nikolaos raised me. Trained me. He was my father. Even if he did try to kill me. Is that better or worse? No matter. Yours isn't the only complicated family in the world. Thanks. I'm glad to have you around, Varnavas. I'm happy to be here. Would anything else help? Finding my mother. She's alive, Varnavas. At least, Nikolaos thought so. Some good news, praise Ira. What's your plan? What course should I set, Captain? For now, we go to Phokis. Elpinor said he'd meet me there. He owes me money and an explanation. Aye, Cassandra. And let's seek the wisdom of the Pythia while we're there. If anyone has answers for you, it's the Oracle of Delphi. I'll think about it. Good. You know, kings and queens travel to Phokis to consult the Pythia. She can start wars or end them. They say that... Yes, I know. That's enough oracle talk for now. Hmm. Back to business. You know where to meet Elpinor, I suppose? His home is in Pilgrim's Landing. But... Nikolaos's last words to me were a warning of snakes in the grass. Sounds like you should make extra preparations. Elpinor is the one who should prepare. Meet me at Apollo's temple in Delphi when you're done dealing with the snakes. Oh, and Cassandra! In all the excitement, I nearly forgot. Terrible things have happened to your home. That old house? It was barely standing to begin with. I meant Kefalonia. A sickness has spread across the island. They say it started in Kausos. There doesn't seem to be a cure. Many have died. Alaka. That priest was right. Just say the word. We can return to Kefalonia whenever you wish. Thanks, Varnavas. I'll keep that in mind. Let's go. Elpinor has a lot of explaining to do. Crazy Elix, bon, ça on n'a pas besoin. Ok, ok. Bon, il vient de dire qu'il y avait une maladie à Kefalonia. Je sais pas si on y va. Attendez, on va voir déjà dans les quêtes. Qu'est-ce qu'on a à faire?
Alors, maintenant on a une nouvelle arc. Vision et visionnaire. Consulter un fantôme. Ok, là. Le sort du loup. Cassandra rejoint le... Ok, là. Bon, laquelle est la plus proche? Bon, on va prendre celle-là. Juste voir où elle est. Alors, c'est où? Bah, je vois pas moi aussi. Ah, c'est là. Pff, ah ouais, quand même. Bon, bah, les amis, bah... J'ai pas de point de TP, rien. Non, non. Bon, bah, les amis, on se retrouve tout de suite là-bas parce que c'est vraiment très loin. Allez, à tout de suite. Regardez-moi ça, les poteaux. Sûrement le point de vue le plus bidon de tous. Regardez-moi cette maison en paille là. Ils ont vraiment mis un point de vue là-dessus. Eh ben. Ah, donc notre mission est juste en face. Ouh, il reste quand même encore 1000 mètres à parcourir. Bon, bah c'est parti. Hein. On va parcourir ces 1000 mètres à pied. Enfin, non, non, pas à pied. On va appeler notre faux boss. C'est quand même plus pratique de prendre le cheval que d'aller à pied. Putain, cheval, oh. Ah là, c'est bon. Allez, c'est parti. Allons voir l'oracle de Delphes. Regardez ça, comment c'est magnifique, les amis. Waouh, waouh, waouh. Non, ça, ils sont de plus en plus beaux, les paysages, hein, à force d'avancer dans le jeu. Et là, oui, là, c'est un véritable point de vue. Parce que l'autre, c'était vraiment de la merde. Bon, on s'approche enfin un peu plus. Et je vous jure, c'est super lent. Parce que ce cheval de merde, là, quand il faut monter, il prend vachement de temps, du coup. Pff, oh là là. Pour vous, voilà, c'est coupé, la vidéo et tout, c'est bon. Mais moi, ça fait au moins 30 minutes, là, que je suis en train de galoper avec mon cheval de merde. Là, ça va, mais sinon, juste avant, il me faisait vraiment chier. Regardez-moi ça, les amis. C'est vraiment beau, regardez-moi. Wow. Pardon. Oh, par contre, là, on va descendre de notre cheval. Oh, par contre, je suis en zone interdite. Par contre, j'ai encore perdu un peu de vie. Par contre, il m'a pas vu. Je reprends la vie et je me casse. Il m'a même pas vu en plus. Oh putain, en plus, j'ai fait énormément de bruit là. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas vrai. En fait, je vais devoir tout descendre pour tout remonter. Bon, les amis, je suis gentil. Je vous fais passer ça. Allez, on se retrouve là-bas. Ah, j'en peux plus, les amis. Allez hop. Alors pour le coup, on en aura fait des points de vue dans cet épisode. On avait que... Ouais, une deuxième partie de la vie. Oh, bah... Oh, on passe niveau 12 comme ça. Oh, bah c'est génial ça. Eh bah, je crois qu'on a bien fait en fait de faire tous ces points de vue. Oh, bah c'est génial. Oh, bah je vous regardais tout de suite un truc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Non, c'est pas ça. Là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Non, c'est quoi ça? Non, 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 j'ai vraiment un truc vite fait, là. Qu'est-ce que je pourrais prendre? C'est quoi ça? Alors, je prendrais bien ça, parce que, comme vous avez vu, à chaque fois que je me fail... Ah non, on recule le niveau 20. Ah d'accord, bah nique ta mère, en fait. Bon, on va prendre ça. Ouais, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a, sinon, là? Maîtrise de l'équipement. Prends soin de l'équipement présent, des avantages, augmentation de l'armure de 30%. Ok, on prend ça. Boum. Allez, on va enfin parler à l'oracle. Et je vous jure, ça m'a pris un de ces temps. Ça m'a pris, disons, bah, 30 minutes, quoi. 30 minutes. 30 minutes pour ça. Allez. Cassandra, isn't this remarkable? We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpinor? We can talk later, in private. Who's this? Just a simple pilgrim. He just saw the oracle. I couldn't help but ask if she's as glorious as they say. Well, is she? She left me with more questions than answers. That's the oracle for you. You weren't lying. It really is the spear of Leonidas.
I may have mentioned you. Malaka, Barnabas, use your head. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. I thought you might get along. How did... You know my spear just by looking at it? You're more than some simple pilgrim. All things in Delphi are more than they appear. Even I. My name is Herodotus. I'm a storyteller. Or I was. This war is forcing us all to new extremes. That much is true. Why are you hiding your identity? I'm here on behalf of a man in Athens. A very powerful man. We intend to finally end this war. You told me you came to ask the Oracle a personal question. War is personal, Barnabas. So, you came to seek the Pythia's guidance on how to end the war? I did. Though something is wrong in Delphi. Guards at every turn, people being turned away. You don't seem convinced the Pythia can be believed. What did she tell you? I asked her to show the path to the war's end. She said, spring should not wish for winter, as it brings death with it. Such wisdom! I don't understand a word of it, but that's why she's in there and we're out here. I know a threat when I hear one. You were on Kefalonia for too long. This line is ridiculous. Are there always this many people to see the Pythia? These are more than just people. Every city sends a Theori, or sacred ambassadors, to seek guidance on behalf of their people. The Pythia not only shapes the destinies of individuals, but of the entire Greek world. Imagine what power one would have if they controlled what came out of her mouth. Apollo controls this! Of course he does. Delphi is nothing, like they say. Has it always been like this? No. This was once an open and welcoming place. But war changes things. People seek out the Pythia for more political reasons. Prophecies in times of war often stir violent emotions. It's wise to keep your blades sheathed. Drawing blood in Delphi is considered an insult to Apollo. Punishment is severe. I have my own questions for the Pythia. But this line... I'll be an old woman by the time I see her. You're joking! You carry more blades than a field of grass! I didn't come here to start trouble. Trouble? Just walk in! Who's going to stop you? The priest? All right. But if things get out of hand, I'm blaming you, Barnabas. Is she not every bit as great as I said? Il fait bien marrer Barnabas. Bon allez, on va aller voir la Pythie. Du coup, on a même pas besoin de faire la queue. Hein. Allez, hop, c'est parti. I'm here to see the Pythia. Only those chosen by the light of Apollo may enter. How does one get chosen? One goes to the back of the line. Do I look like someone who waits in line? Enter into the light of Apollo, the light that illuminates shadow. Choose your question wisely, mortal, for you have but one. Speak, truth seeker. I lost my mother when I was young. I have to find her. Where is she?
It's you! From the visions! The child on the mountain! How could you know that? You need to leave. Now. Leave? Do you have any idea what I've been through to get here? Oh, but I do. While in Kausos, you didn't cower in the face of the priest. A child and her family still live thanks to you. But how? No one can hide from the light. Please. I've come this far. You must have the answers I seek. Child of the mountain. The cult of Cosmos have eyes everywhere. They will kill you. Cult of Cosmos? The Oracle has spoken! The prophecy is yours! You never answered my question! The Pythia is done for the day. I'm not leaving until I get answers! Herodotus, you're still here. Where's Varnavas? He's gone back to your ship. You don't look happy with your prophecy. She knew who I was. She's the Pythia. It's her business to act like she knows you. That was no act. She said she had visions of me as a child on a mountain. What child hasn't stood on a mountain? I was thrown from that mountain. My life started and ended on that mountain, I'm telling you. She knew who I was, what I'd done. She tried to warn me. Warn you? About what? She mentioned the cult of Cosmos. Does this mean anything to you? I'd heard whispers. A cult unlike any other coming to Delphi. But I paid them no mind. And the Pythia seemed afraid of them. Guards took her away. Took her away? Then the whispers were true. If this cult has corrupted the Pythia... This is devastating news. Do you understand what this means? Through her, the cult controls the world. I need to speak with her when she's not so well protected. That would require a miracle from the gods. She is always protected. I'll find where the Pythia lives, and I will get answers. Cassandra, don't forget. Brute force is useless when finesse is required. Et... Ouh. Par contre, là, ça commence vraiment à devenir un peu bizarre, là. Hein. On va tout de suite aller voir la quête à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, là? La vérité éclate toujours. Ouais, c'est celle-là qu'on doit suivre. Allez. Elle est où? Ok, là-bas. Allez, c'est parti. Par contre, elle avait l'air de savoir beaucoup de choses, celle-là. Mais vraiment, beaucoup. Vraiment super intriguant, tout ça. Oh, on entre de plus en plus dans les détails, les amis. Peut-être qu'on va savoir qui est où est notre mère. Parce que notre mère, on sait déjà qui c'est. Mais où elle est, ça, c'est quelque chose d'autre. Allez, viens là, Phobos. La pitié. Je me demande s'il y avait vraiment des gens comme ça avant. Vraiment des gens prêts à faire la queue pendant plusieurs jours juste pour voir une meuf comme ça, et ben. Mais bon, nous, ça en valait bien la peine puisque elle savait beaucoup de choses sur nous. Oh oh oh! Ça risque de faire mal. Ah ouais. Ah ouais, ça fait mal. Oh. Wow, 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 wow. Bon, ben, RIP mon cheval. Hein. Oh non. Il a pas survécu. Phobos est disponible. RIP Phobos. Oh, c'est pas possible. On va devoir parcourir ça à pied. Non, mais chiant lui de mourir comme ça, là. Mais je crois en plus que... Mais en plus, je crois que... Comment ? Que j'avais pris une compétence, là, justement, pour pas me faire mal en sautant. Et je l'ai même pas utilisé, du coup. Quel con. Ok, on doit aller là-bas. Oh, il y a un mercenaire aussi, là-bas. Allez, c'est parti.
J'ai vraiment envie de savoir là pour le coup. Je sais pas pourquoi ça m'intrigue de ouf là, cet épisode là. Peut-être c'est l'épisode avec le plus de révélations, les amis. Qui sait? Parce qu'elle a quand même, elle nous a quand même balancé beaucoup de choses. Hein. Ok. Par contre, je pense qu'il y a, il doit avoir des gardes. Bon, regardez. Ouais. Ah oui, oui. Oh non, c'est pas vrai. Il est juste là. Faudrait que je le tape pour pouvoir avoir la pitié là. Elle est chiante celle-là. Elle était obligée de prendre, se prendre plein de gardes là. Oh là là. On va éviter de se faire trop remarquer. On va essayer si je peux rentrer sans me faire remarquer. Ah ouais, on peut le faire. On pourrait se la faire. Mais, non. On va aller. Oh non. Mec, vous êtes chaud là, vous savez là. Oh là là. Oh, non, non, oh non. J'ai pas réussi mon coup. Oh non. Bon, bah, c'est la pire. Allez, frappez. Allez, vas-y. Allez. Oh. Par contre, j'ai peur qu'il fasse super mal, les mecs. Donne-moi ton bouclier, salope. Oh non. Oh. Oh. Il voulait pas. Il m'a pas donné. Oh là là. Oh la salope. Oh la salope. Bon, par contre, je préfère sortir, oui. Il y aura plus d'espace dehors. Oh non, mais regardez-moi tous ces mecs là. Et on a trop. C'est abusé. Oh les mecs. En plus, ils veulent même pas me donner leur bouclier là, salaud. Oh oh oh. Oh purée. Ah ouais. Les mecs ils sont chauds. Oh. Toi. Allez vas-y. Hop. Oh 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 non. Je déconne ou quoi? Oh 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 non 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 non. Oh non. Oh y'a le poison. Oh les mecs, mais dans quoi on s'est fourré là? Oh là là. Oh non. Oh je l'avais pas vu. Oh, oh coup de bol. Oh. Pas de poison, non, 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 sortez de là, bougez-vous, 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 allez toi, tu viens par ici. Allez, hop, hop, hop. Bon alors j'ai envie d'essayer cette capacité là. Oh, ah c'est une flèche de feu, ah ouais. Non mais regardez-moi tous ces mecs là, j'ai envie de me barrer là par contre. Ouais, on va se barrer. Oh, oh. Ouf, de justesse. Bon toi tu viens par là. Oh. Oh les mecs, calmez-vous. Oh oh oh. Oh. On va essayer de faire notre technique en traître. Allez hop. C'est vraiment la technique du lâche là pour le coup. Hein. Attendez, on va essayer de bien viser. Hop, on fait attention. Parce que aussi j'ai vu qu'ils peuvent lancer là. Oh. Oh je crois qu'il m'a touché ce salaud. Allez hop, prends-toi ça mec. Attendez, j'ai envie d'utiliser là. Prends-toi ça, niveau. Allez hop. Oh. Oh. Oh, je l'avais pas vu. Oh, oh, oh. Non, non, non. En fait, il faut vraiment pas qu'il me touche. Chez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Dégage. Allez, dégage. Non. Ah ouais, il faut que j'esquive chacun de ses coups. C'est chiant. Allez, prends ça, ça. Oh, yes. Il est mort. Allez, venez, bonne salope. Oh non, par contre, là, ils sont tous montés, là. Oh, non, 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 non. Je me casse, moi. Oh, oh. Oh, je l'avais pas vu. Oh, je l'avais pas vu. Oh, je l'avais pas vu. Oh, non. Oh, là, c'est long, c'est long. Oh, 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 oh. Attention, mais je suis bloqué, je suis bloqué. Oh, non, j'étais bloqué. Oh, c'est bon. Oh, non. Non mais genre c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah ouais, c'est... On va viser les pieds. On va viser les pieds. On va viser les pieds. Allez hop, je te vise le pied mon gars. Allez hop, viens, ramène ton pied. Allez, on va attendre. Bon. Attendez, je vais essayer la capacité là. Alors, hop. Ça a rien fait. Oh c'est nul. Ça a rien fait. Oh oh, tu veux quoi toi? Mais c'est chiant. C'est sur leur bouclier qui sont surtout chiants là. Oh oh oh.
Oh, toi, tu veux quoi, toi, salope? Non, regardez-moi ça! Regardez, ils veulent pas me donner leur bouclier. Oh là, c'est trop chaud. Allez, 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 allez! Sûrement le combat le plus long que j'ai fait depuis. Oh, oh, oh! Oh, non, 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 non! Je suis pas en broquille, toi, salope! Oh là! Les mecs sont chauds, les mecs sont chauds! En plus, j'arrive même pas à viser là! Hop! Toi, viens par ici! Je te vise ton pied! Non, ton pied, j'ai dit ton pied! Oh, 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 oh! Tu voulais quoi, toi? Hein? Allez, hop! C'est lui le plus gros là, le pire de tous là. Oh oh oh, non non non. Allez, donne-moi tes pieds. Oh oh oh. Oh, je l'ai bien esquivé celle-là. Oh, allez, vas-y, vas-y. Non non non. Oh oh. C'était beau ça par contre. Allez, je finis lui au moins, le petit là. Oh. Ils sont chauds les mecs hein. Allez 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 allez. Oh, par contre j'espère avoir du bon loot après hein, parce que oh là là, ça a été dur. Allez hop. Oh non, mais c'est passé entre ses jambes. Non mais c'est pas possible. Oh mais les gens, c'est trop dur. Oh, viens par ici toi, salope. Prends-toi ça. Oh, j'ai réussi. Ah non, c'est pas lui. Oh, ouf, enfin. Oh là là, allez, on va tout récupérer. Oh, ouf, enfin, on les a tous butés, ces salauds. Par contre, là, je vais prendre le temps de tout bien récupérer. Parce que, oh là là, ça a été dur, les amis. Oh là là, fou. Mais les mecs, ils étaient trop chauds. En plus, c'était des mecs de niveau 12, là. Allez, on vole ça. Y'a pas un autre trésor? Ah, on va faire... Je vais prendre mon temps. Ah, par contre, oui, je vais prendre mon temps parce que là... Allez, ouf. Ah, on va prendre ton temps, on va aller dans l'inventaire parce que j'ai peur de sortir de là et devant qu'on me tape. Du coup, on va prendre le temps d'aller dans notre inventaire. On va prendre ça. Bon, c'est pas du légendaire, mais c'est le mieux qu'on puisse avoir. Prends ça. Ensuite, là-dedans. Ah, je vous jure, je vais prendre tout mon temps. Non, là-dedans, il n'y a rien. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de bon? Il n'y a rien. Là, peut-être une meilleure arme. Oh yes. Ouf, c'est bon. On a repris la bonne arme qui fait plaise. Non, non. Là, on peut aller voir l'appétit. Allez, c'est parti. No! Guards! I'm not here to hurt you. I just want answers. The Pythia is a sacred vessel of the gods. People travel the world for my answers, but none of them would dare break into my home. Apollo's wrath will be cruel and swift. Guards! I'm looking for my family, and everywhere I go, people are either lying or trying to kill me. You're the first person who might have some answers. But they'll kill me if I tell you. Not if I get to them first. Help me, and no harm will come to you, I promise. All right. But ask your questions quickly. The longer you're here, the more at risk we both are. What is this cult of Cosmos? They are the eyes that see, but go unseen. Enough with the riddles. I want names. I don't know. I swear. They hide behind masks and shrouds. Why would you work for the cult? I have no choice. So... all those prophecies from the gods, all those people, you're paid to deceive them all? Most want to know about love or death. I tell them what they want to hear. But when people want to know about war or politics, I'm paid very well to tell them what the cult wants them to hear. You said you saw me in your visions. What did you see? There is an artifact under the temple of Apollo. It reveals what only the gods should know. You called me the child on the mountain. The cult hunts a Spartan child who survived a terrible fall from Mount Aietos. The artifact revealed that child to be you. You have an opportunity to do the right thing. Tell me where to find the cult. Tell me where they are. Or we'll go find them together.
Beneath the Temple of Apollo, there is an ancient chamber. I think they meet there. But without one of their cloaks and masks, you won't make it more than 2 steps inside. Where can I find one of these cloaks and masks? There is a man. He visits me from time to time, makes sure I'm well taken care of. I have the biggest house in the Hora of Delphi, yet he still offers drachmi for my troubles. Gives me the creeps. What's his name? Elpinor. Elpinor? He's with the cult? I can't be sure, but if he is, he would definitely have what you require. Any idea where I can find him? There is a fort just south of the Valley of the Nymph. He's been known to conduct business there. You've been helpful. May the light of Apollo guide you to your family. I should tell Herodotus what Epithia told me about the cult. Maybe he'll have some insight. Hein? Échec de la mission, c'est quoi ça encore? Oh oh oh. J'ai eu un échec de mission là. Hein? C'est quoi encore ça? Ah, on dirait qu'il fallait que je fasse les deux missions avec. Ah, bon. Bah maintenant je le sais, la vérité éclate. Oh oh oh. Ah merde. Et bah, je savais pas ça. Bon. On va aller voir Hérodote. Et Elpinor, vous vous souvenez, le mec qu'on avait vu au début. En fait, c'est un gros fils d'up. Il fait partie du culte. Oh là là, vous jure. Que des révélations dans cet épisode. Well, what did the Pythia tell you? The cult of Cosmos is hunting me. But I'm going to hunt them first. She told me they meet in a secret chamber under the Temple of Apollo. So it's all true. If the cult has done anything, it's fooled this old man. I can't get in without a mask and cloak. It's how the cultists identify each other. The Temple of Apollo is by the Cave Ogea. Simple enough to find. But a cultist's mask and cloak? How will you accomplish that? The Pythia gave me the only clue I need. When I'm ready, I'll meet you at the temple. For now, I'm going to kill Elpinor. Malakas liar. Eh ben les amis, que des révélations dans cet épisode là. Alors on va voir un coup dans les quêtes. Ouh là là. Que des révélations. Alors là, qu'est-ce que c'est? Un serpent dans les herbes. Ok. Du coup, en fait, j'aurais dû faire l'autre mission aussi. Ah ouais, mais si je savais, je l'aurais fait. Eh ben merde alors. Ouais, c'est un peu dommage qu'on n'a pas réussi la mission. Bon, mais maintenant que je le sais, la prochaine fois on fera 2 missions. À chaque fois on fera une mission d'un arc. Bon, bah, on va aller faire un petit tour dans l'inventaire, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Rien de spécial? Non. Non, c'est bon ici. Je passe vite fait un petit tour là. Oh, un arc de niveau 13. Ok. Alors, ici, les amis, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un casque là. On le met, vas-y. Et après, ben, c'est tout. Bon, bah, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vraiment. Cet épisode là, que des grosses révélations. Surtout, j'espère qu'il vous a plu vraiment. On a appris beaucoup de choses. Il y a un culte du cosmos. On dirait que c'est genre les Templiers, mais à cette époque là. Ouh. Bon, mais surtout, les amis, si cet épisode vous a plu autant que moi, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!